crushing and the pressing you are making new heart and the soil I now surrender you are breaking new ground so I yield to you En toi est ma délivrance, en toi est ma délivrance. Dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, c'est alors que Jacob s'apprêtait à bénir son fils. Alléluia, Gad. En toi est ma délivrance. Seigneur, ce matin, ton Église crie encore. Nous puisons tout en toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la destinée. Tout le monde peut avoir un destin, mais ce n'est pas tout le monde qui a une destinée. Ceux-là qui commencent, ceux-là qui entrent dans leur destinée, ceux-là qui prennent la décision de marcher avec toi, selon toi et à travers tes pas, Seigneur. Nous refusons le destin, mais nous proclamons la destinée dans notre vie, parce que tu es le Dieu de la destinée, le Dieu de la délivrance, le Dieu de notre salut, Seigneur. C'est alors que lorsque tu te présentas devant le fou de Gadara, Seigneur Dieu de gloire, tu parlas tout simplement. Et toute cette légion d'esprits, de démons le quittèrent et entrèrent dans les pourceaux. Tu es le Dieu de notre délivrance. C'est toi que nous acclamons ce matin. Bien-aimé, là où tu es, là où tu te trouves, je vais t'inviter à commencer à acclamer Dieu avec conviction. Non, tu n'as pas compris. Non, tu peux encore faire plus que ça. Acclame le Seigneur avec conviction. Avec conviction, avec détermination, parce qu'il est notre Dieu, alléluia, le Dieu de la délivrance, le Dieu qui change nos circonstances, le Dieu qui transforme, alléluia, de l'échec à la réussite, de la mort à la vie. Il s'appelle le Dieu de la résurrection, le ressuscité du troisième jour. C'est lui que nous sommes venus célébrer, alléluia. Il naquit sans péché, il vécut sans péché. La terre l'a rejeté. La mort n'a pu le contenir. La mort aussi l'a rejeté. Alors nous célébrons sa vie. Nous célébrons son nom. Nous célébrons sa mort. Nous célébrons sa résurrection. Et nous célébrons son retour. Alléluia. Alors je t'invite à commencer à te disposer là où tu es en cet instant. Commence à te disposer bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Commence à te disposer. Commence à te disposer. Commence à te disposer tout simplement. Amen. Commence à te disposer. Commence à te parer. Commence à te préparer. Commence à te parer. Commence à te sanctifier. Commence à te débarrasser des choses inutiles. Commence à te mettre dans ton état supérieur, bien-aimé dans le Seigneur. Pars-toi aujourd'hui. Pars-toi aujourd'hui. Une parure excellente. Une parure d'or. Une parure de perles, alléluia. Tu es une perle entre mes mains, et entre mes mains tu es une perle. Seigneur, tu l'as dit, et ce matin, Seigneur, unis en esprit avec mon frère, nous voulons encore te célébrer. Avec ma soeur, nous voulons encore t'honorer, oh Dieu, parce que nous sommes des perles entre tes mains, des joyaux entre tes mains, comme tu l'as dit un jour. Alors glorifie ton nom encore aujourd'hui. Inonde, imprègne ces lieux, parce que ces lieux t'appartiennent. Cet espace t'appartient, nos cœurs t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Alors inonde ce lieu de ta présence. Yeah.
cet instant. Seigneur, glorifie ton nom dans nos de l'eau vivante, chama, oh.
Alléluia. Tu es de l'or vivante, car j'ai soif de toi ce matin. Fontaine éternelle, je libère mon cœur à tes pieds. Nous libérons nos cœurs pour t'accueillir. Laisse-toi emporter tout simplement et invite-le. Nous sommes dans ta présence, unis en toi, avec toi, pour toi. Remplis-nous de ta personne. Oh, 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 oh. Viens et règne en nous. Tu es de l'eau vivante, tu es la source éternelle. Alléluia. Pour t'accueillir, Seigneur, pour t'honorer, pour te contempler, pour t'accueillir, Seigneur, pour t'accueillir, toi le seul maître, toi le véritable maître, pour t'accueillir, Seigneur, pour t'honorer, te contempler, t'exalter, pour t'accueillir. C'est un cri du cœur qui retentit aujourd'hui. C'est une âme, Seigneur, tourmentée qui crie, qui dit, Seigneur, j'ai soif, tu es l'eau vivante, tu es la source éternelle, tu es la fontaine éternelle, et aujourd'hui je viens à tes pieds, je viens crier, je crie après toi, je crie après toi, arrose-moi de ton eau, eau vive, arrose-moi de ton eau. Hier j'ai bu tellement des eaux, ces eaux-là n'ont pas pu réellement me désaltérer, ces eaux, hallelujah, n'ont pas pu étancher ma soif, comme la femme samaritaine avait su le dire, comme son cœur avait su l'exprimer. Mais lorsque tu le donnas de ton eau, alléluia, sa vie fut changée. Alors Seigneur, ton église vient après toi, ton église se prosterne devant toi, devant ton trône de grâce, devant le trône de la sainteté, de la miséricorde. Nous disons, Seigneur, nous avons soif. Nous avons soif, Seigneur. Donne-nous de ton eau, afin que nous te donnions de notre eau, Seigneur. Afin que, Seigneur, notre Dieu, rassasié, soulagé, Seigneur, imprégné, rafraîchi, nous puissions, Seigneur, élever, Seigneur, Dieu de gloire, des paroles rafraîchies, des paroles qu'il faut pour toucher ton cœur, Seigneur, parce que tu es notre source. Seigneur. Seigneur mon Dieu, et
Qui est oppressé, qui est possédé, Yeshua, par ta parole tu délivres, par ta parole tu changes, tu transformes, oh Dieu. Yeshua, par ta parole. Et ce matin, nous déclarons par ta parole, au son de ta voix, que nous sommes libres, qu'une vie est libre, qu'une vie est libre, qu'une vie est libre, qu'une vie est libre, en ton nom, Yeshua, Mashiach. Alors nous disposons nos cœurs pour manger, nous disposons nos cœurs pour nous asseoir, nous disposons nos cœurs pour t'écouter, alors parle-nous, parce que ta parole nous rend purs, ta parole nous rend libres, la puissance de ta parole nous rend libres, et brise toutes les chaînes ne peuvent résister devant toi. Amen, amen, amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez tous bénis en ce beau jour de dimanche que nous sommes. Alléluia. Que la pluie de l'Éternel, que la pluie du ciel, que la rosée du ciel vous arrose là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que ce matin, nous allons passer un excellent moment dans sa présence. Déjà la servante de Dieu, que Dieu te bénisse ce moment, nous a introduit dans des bons moments d'adoration et des louanges. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Alors je suis tombé sur un passage biblique, une histoire que vous connaissez tous et que nous allons lire. Mais je bénis tout simplement l'Éternel de la façon dont il m'a emmené dans la dimension de cette parole. Et je crois que cette parole est tout simplement le message du jour pour nous tous. Amen. C'est pourquoi je prie que Dieu dispose ton cœur, que Dieu dispose ton environnement afin que tu écoutes sa parole. Amen. Demeure encore béni. Je vous aime tous. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez fait le choix d'être sur Exploit TV ce matin pour entendre sa parole. Alléluia. Alors, nous allons développer donc notre croissance spirituelle dans le livre de Marc. C'est une histoire que nous connaissons au chapitre 5. Amen. Alors, le chapitre 5, on nous parle d'une histoire très très intéressante. L'histoire où Jésus va chasser les démons à Gadarac. C'est l'histoire du fou de Gadarac, comme on le dit vulgairement. Amen. Seulement, le texte est très long. Je vais prendre certains passages bibliques et à tête reposée chez vous, vous allez lire. Amen. Donc, Marc chapitre 5. À partir du verset 1, la Bible dit, ils arrivèrent sur l'autre bord
de la mer dans le pays de Gadaranien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Amen. Le verset 6 dit ceci, comme je vous ai dit, je vais sauter un peu les parties parce que c'est très long comme test. Le verset 6 dit ceci, « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Amen. Nous allons laisser encore cette partie et prendre le verset 14. La Bible dit, ceux qui le faisaient paître, non, remettons un peu au verset 12, et les démons les prirent, disant, envoie-nous dans ce pourceau afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Verset 14 nous dit, « Ceux qui le faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et de bon sens. » Oh, j'aime ça. Et ils furent saisis de frayeur. Alléluia. C'est comme ça que tes ennemis seront dissipés quand ils te verront bien restauré, bien aimé. Alléluia. Ils auront peur du Dieu que toi tu pries. La Bible dit au verset 16, ceux qui avaient su ce qui était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Amen. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter, n'est-ce pas, leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Alléluia. Et comment il a eu pitié de toi. Le verset 20, on va finir par là, nous dit, « Et ils s'en allèrent et s'est mis à publier dans la Décapole. » Alléluia. C'est-à-dire dans toute la région. Amen. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu Glorieux, nous te rendons grâce. Nous te bénissons en ces jours si merveilleux, Seigneur. Alléluia. La Bible dit que c'est un jour que tu as fait et que nous devons la vivre dans la joie. Et de sur quoi, Seigneur, ta parole encore, alléluia, arrive au bon moment, ô Dieu. Et laisse que cette parole soit une source d'édification pour nous, de délivrance pour nous, alléluia. Nous te bénissons en ces jours, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions. Amen. Laisse que, Seigneur, celui de ton nom soit glorifié en ces lieux. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Amen. Quelle histoire. Quelle histoire extraordinaire. En méditant ce texte, je réalisais combien Dieu nous aime. Je réalisais combien Dieu t'aime. Je réalisais combien Dieu aime
ceux qui sont porteurs, alléluia, de sa promesse. La Bible dit que Jésus ordonna à ses disciples d'aller de l'autre côté du mort. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Les disciples, certainement, ne savaient pas ce qui les attendait, mais Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, lui, il le savait. Amen. Bien-aimés, pour l'amour que Dieu a pour toi, il est capable de se déplacer. Et ce matin, Dieu va se déplacer au travers de sa parole pour te toucher toi personnellement. La Bible dit, passant de l'autre côté. Et quand ils sont allés de l'autre côté, la Bible dit qu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, à Gadaret. Bien-aimés, écoutez, je vous rappelle que les Garadéniens sont les habitants des Gad, les descendants des Gad. Amen. Qui sont Gad? Gad, n'est-ce pas? N'oubliez pas que Gad faisait partie des enfants de Jacob. Ceux-là aussi qui ont eu la promesse de l'Éternel. Amen. Mais quand Dieu, amen, quand Jacob donnait la bénédiction à ses enfants, arrivé à Gad, Jacob va d'abord implorer la grâce des dieux en disant, Seigneur, j'espère en ton secours pour délivrer Gad. Amen. C'était là une prière prophétique parce que c'est comme si Jacob savait ce qui devait arriver aux descendants de Gad. Amen. Donc Gad, n'est-ce pas, les Garadéniens sont donc ceux qui sont issus, amen, de Gad. Et c'était un peuple très ancré, n'est-ce pas, dans la tradition juive, permettez-moi l'expression. Amen. Alors, en méditant dans ce texte, je découvre quelque chose d'extraordinaire que nous allons tous découvrir ensemble. La Bible dit, amen, bien-aimé, que Jésus va ordonner à ses disciples d'aller de l'autre côté. Or, de l'autre côté, la Bible nous parle d'un homme qui était possédé d'un esprit impur, qui était fou, qui dormait dans les sépulcres, au cimetière. Jugez vous-même, bien-aimés, est-ce un lieu propice pour un homme pour vivre? Amen. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que cet enfant, bien-aimé, cet homme plutôt, bien-aimé, fallait qu'il puisse vivre la promesse, vivre la délivrance que autrefois Jacob avait prophétisé pour ceux qui sont des descendants de Gad. Jacob avait dit, ô Éternel, j'espère sur ton secours. D'autres versions parlent de la délivrance. Et il n'y a que Jésus-Christ qui pouvait le faire. Amen. Et quand nous lisons ce texte, nous ne pouvons pas peut-être, bien aimé, conclure déjà des choses au début, mais c'est plus à la fin que le texte m'interpelle. Parce que quand nous voyons ce texte, bien aimé, alléluia, nous allons tout simplement comprendre une chose. Laquelle? C'est que nous sommes tous porteurs de la promesse de Dieu. Et étant des porteurs de la promesse, étant des porteuses et porteurs de la promesse de Dieu, nous sommes parfois poursuivis. Nous sommes parfois poursuivis des esprits impurs qui cherchent, n'est-ce pas, à nous dévier sur la voie de Dieu. N'oubliez pas que quand une personne est possédée, quand une personne est poursuivie, elle pense faire des choses qui sont justes, mais la direction qu'elle est en train de suivre, elle est tout simplement, n'est-ce pas, poussée et orientée par des esprits impurs. Ainsi, Jacob pouvait dire, j'espère, ô Éternel, sur ta délivrance. En effet, bien-aimé, ce texte veut tout simplement nous dire que vous allez constater, comme je vous le disais autrefois, que tous ceux qui sont porteurs de la promesse de Dieu, en attendant cela, nous allons vivre d'abord le contraire de la promesse. Car en effet, comment expliquer qu'un homme, la Bible nous dit au verset 20, qui est très intéressant, que
Il est devenu un évangéliste. Il est devenu un prédicateur, prêchant dans toute la région des Gad. Amen. Parce qu'il fallait que le nom de Jésus-Christ soit introduit dans cette région. Pourquoi? Parce que seul le nom de Jésus-Christ pouvait les délivrer. En effet, bien-aimés, nous ne chassons pas les démons par le nom de nos arrière-parents. Nous ne chassons pas les démons par le nom de Moïse. Nous ne chassons pas les démons par le nom de Paul ou de David. Mais nous chassons les démons par le nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, bien-aimés, que celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela, quand vous avez vu ce fou, quand il a vu Jésus-Christ, il est venu quoi? S'agenouiller devant Jésus-Christ. S'agenouiller. Alléluia. Car sa parole doit s'accomplir. Toute langue doit confesser. Lui-même, il confesse. Qu'a-t-il entre toi et nous? Nous savons que tu es le Fils du Très-Haut. Les démons confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Oh bien-aimé, nous prions un Dieu fort. Nous prions un Dieu redoutable. Et je veux que tu sois fier de toi, parce que ton Dieu, alléluia, est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu d'Israël. C'est celui qui a les derniers mots dans ce monde. Amen. Alors, nous voyons donc que cet homme, en réalité, était destiné, bien-aimé, à être un prédicateur dans cette région. Amen. Cet homme était destiné à être un vaillant prédicateur dans la région. Donc, dans le plan de Dieu, comme dit Jérémie, quand tu étais une masse informe, moi, l'Éternel des armées, je vous connaissais. Voici, j'avais des projets de paix et de bonheur pour toi. Donc, cet homme avait un projet de paix et de bonheur pour Dieu. Le projet que Dieu avait pour lui, c'était d'être un prédicateur. Mais avant d'être un prédicateur, la surprise est grande. Bien-aimé, il revient de loin. Il ne revient pas de n'importe quel endroit. Toi et moi, bien-aimé, nous revenons peut-être des bonnes familles. Mais lui, il revient de loin. Il dormait dans l'esprit. Il dormait au cimetière. Il était possédé des esprits impurs. Regardez, quand Jésus lui pose la question, « Qui es-tu ?» Il dit que nous sommes des légions. Donc, beaucoup des esprits étaient en lui. Alléluia. Incroyable, mes frères. Un homme destiné à être prédicateur se retrouve être possédé des esprits de maladie mentale. Comment expliquer cela? Amen. Alors Jacob avait raison. Il n'y a que toi l'Éternel. Oh, j'espère en toi. J'espère en ton secours. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Et c'est là où tu dois, n'est-ce pas, comprendre. Quand tu as un enfant, quand tu mets au monde un enfant et tu constates que ton enfant est beaucoup perturbé, ton enfant est beaucoup attaqué, ton enfant est en train de sortir hors de l'éducation que tu l'imposes, laisse-moi te dire, lève-toi dans la prière. Pourquoi? Laisse-moi te dire que cet enfant-là est un signe qui fera mal à l'ennemi. Pourquoi? L'ennemi se lève très tôt pour chercher à le détruire. Quand tu constates, même toi-même dans ta vie, que des choses contraires arrivent dans ta vie, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu peux avec Jacob dire, Seigneur, j'espère sur ton secours. Ne lâche pas. Amen. Pas très longtemps, je disais à l'une de mes filles que tu n'es pas de la race de ceux qui abandonnent. N'abandonne pas. Amen. J'aime bien le dire, bien-aimé. Il y a des événements qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Des choses qui arrivent, qui te déstabilisent d'une drôle de façon. Mais parti faisant, ne lâche pas. Amen. La délivrance est derrière. Amen. La délivrance est derrière. Bien-aimé, pendant que je suis en train de vous parler, l'Esprit de Dieu m'inspire sur un texte biblique. Nous sommes dans le livre de Romains. Regardez, Romains nous dit ceci. Au verset chapitre 8, vous connaissez ces textes bibliques. La Bible nous dit ceci au verset 28. Non, on va prendre le verset 29. La Bible dit, car tout ce qu'il a connu d'avance, alléluia,
Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né et de beaucoup de frères. Et tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia! Romains, n'est-ce pas, 8, chapitre 8, verset 29 à 30. Donc, bien, nous voyons ici un problème de prédestiné dans la vie de cet homme. Il a été prédestiné à être prédicateur, mais il se retrouve un fou dans les cimetières. Amen. Et ça, bien aimé, ça arrive dans beaucoup de vies. Tu es prédestiné à être un vaillant héros au sein de ta famille, mais tu te retrouves malheureux. Tu es prédestiné à jouir, n'est-ce pas, des promesses de l'Éternel. Alléluia. Parce que tu es fille d'Abraham et fils d'Abraham, mais voici, tu te retrouves malheureux. Et même nos vies, en tant que fils de Dieu, on se retrouve parfois au bord de la promesse de l'Éternel. Mais je dis que ça doit s'arrêter ce matin dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, bien-aimé, que cet homme était lié. Il y avait des chaînes partout, sur ses pieds comme sur ses mains. Amen. Et personne ne pouvait tenir. Personne ne pouvait le retenir, car le plus souvent, il déchirait tout. Quelle force! Bien-aimé dans le Seigneur, regardez là où le diable emmène des gens à un niveau où il veut réellement te détruire. Ainsi dit sa parole, que le diable vient que pour détruire et pour égorger. Amen. Comme je disais l'autre fois à Rachel la fois passée, que quand la Bible nous dit que le diable vient que, ça veut dire que dans d'autres domaines, il peut échouer. En effet, le diable peut que échouer dans le domaine de l'amour. C'est pourquoi quand nous nous aimons les uns les autres, le diable ne peut pas nous avoir. Il échoue dans le domaine de la sanctification. Quand tu vis dans la sanctification, bien-aimé, même si tu ne pries pas, il ne peut pas t'avoir. Amen. Il échoue dans ce domaine. Mais quand la Bible dit que, ça veut dire que dans d'autres domaines, il peut échouer, mais dans le domaine de la destruction, il ne peut pas échouer. Ça, c'est sa spécialité. Amen. Ça, c'est la spécialité du diable. Détruire et égorger. Amen. Et c'est ce qu'il voulait faire dans la vie de cet homme. Parce que le diable savait ce que cet homme devait devenir. En effet, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, que certaines promesses, le diable le sait. Ce qui t'attend dans la vie, le diable le sait aussi. C'est pourquoi il t'attaque très tôt, dans le but de te déstabiliser, dans le but de t'enlever sur le chemin. Amen. Le diable, sachant que la femme est porteuse du salut, dans deux matins, qu'a fait le diable? Il attaque toutes les femmes. Regardez comment la femme est ridiculisée aujourd'hui. Regardez par une simple publicité des yaourts, on montre la nudité d'une femme. Par une simple publicité du pain, on montre la nudité d'une femme. Quel rapport? Amen. Hier avec mon épouse, je suivais les journaux. On a montré une artiste aux États-Unis, une femme en train de chanter. Elle était quasiment nue. Et en plus de ça, elle faisait des gestes comme un serpent. Et comme par hasard, il y avait des serpents tout autour d'elle. Et bien aimé dans le Seigneur, les gens du monde vont dire « Waouh! Quel clip! Qu'est-ce qu'elle est jolie !» Mais nous qui avons le spirituel, nous savons déjà qu'il y a un esprit là-dessus. Alléluia! L'esprit des pitons est là. Amen! Destruction! Et le pire, c'est que toute la jeunesse va chanter, la jeunesse au monde, aux États-Unis, vont chanter ces chansons, sans pourtant savoir qu'ils seront aussi à leur tour possédés par le même esprit. Oh, bien-aimé, éduquons bien nos enfants, prenons soin de nos enfants, ne permettons pas à nos enfants d'être toujours dans les réseaux sociaux. C'est un danger. Alléluia. Amen.
bien-aimé dans le Seigneur, voilà un homme destiné à être comme ça, mais victime d'une chose qui était contraire à sa vie. Enchaîné, la Bible dit qu'il était quoi? Lié. Qu'est dit la parole de Dieu? Que ce qui est lié au ciel est lié sur la terre. Amen. Et ce qui est délié dans les cieux est délié sur la terre. Donc, la personne qui pouvait que venir délier cela, c'était que Jésus-Christ. Amen. C'était que Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Incroyable, mais vrai. Lui qui a été destiné pour un appel, pour un ministère, alléluia, à servir Dieu, se retrouve malade mental. Amen. Comment expliquer cela? La Bible dit que personne ne pouvait. Bien, mais le diable est méchant. Le diable est méchant. Quand il veut te détruire, il te détruit. Amen. Le but donc du diable était de détruire cet homme pour empêcher l'évangile dans la décapole, dans sa région. Et c'est ce que le diable fait même dans ta vie. Il te déstabilise, il te décourage dans le but de ne pas prêcher l'évangile au sein de ta famille alors que c'est toi qui es la lumière de ta famille. Amen. Et cet homme bien-aimé, je vous dis la vérité. Je bénis le Seigneur. Bien-aimé, permettez-moi de revenir d'abord en arrière. Vous savez une chose. Le plus souvent, Jésus-Christ, quand il se déplace, c'est la foule qui le suit. C'est toujours la foule qui suit Jésus-Christ. Partout où Jésus allait, la foule suivait. Amen. Et Jésus ne se déplace pas en général pour les gens. C'est toujours les gens qui se déplaçaient pour lui. La Bible dit que les gens quittaient les endroits pour venir le voir. Même quand il était à la montagne, les gens montent à la montagne pour l'entendre. Il y a toujours les gens. Mais pour une fois, alléluia, nous voyons un cas exceptionnel. Alléluia. Au lieu que les gens, le fou des Gadarènes se déplace. Alléluia. Mais c'est Jésus qui se déplace pour cette personne. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que ce matin, Jésus-Christ se déplace pour toi. Il a envie de te délivrer. Il a envie de te visiter. Il a envie de te restaurer. Il a envie de te repositionner. Amen. La Bible dit que pour l'amour que j'ai pour toi, je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. C'est l'un des moments très rares de Jésus-Christ de voir Christ se déplacer uniquement pour la personne. Regardez le cas de Nicodème. Qui s'est déplacé? C'était Nicodème, ce n'était pas Jésus-Christ. Il y a toujours eu ainsi. Mais Jésus se déplace pour cet homme. Bien-aimé, pour l'amour que Dieu a pour toi, il se déplacera. Jésus-Christ va sacrifier l'économie de Gadara à cause de cet homme. Bien-aimé, écoute, la parole de Dieu déclare qu'il est capable de sacrifier les nations pour toi. Amen. Il est capable de sacrifier les nations pour toi. Amen. Je me souviens. Oh, triste histoire, à l'instant même que j'y pense. Je me souviens, j'ai vécu un moment très difficile dans ma vie. C'est un témoignage que je vous donne. Je n'aime pas donner ça parce que toutefois quand je parle de ça, j'ai parfois l'émotion dans mon cœur. Et nous étions ici pendant la guerre civile. Et j'étais bloqué quelque part. Je ne pouvais pas, bien aimé, me déplacer. Parce qu'il y avait des obus, des balles partout. Je dormais dans un caniveau. C'était l'unique endroit où je me suis senti en sécurité. Et dans le quartier que je vivais, il n'y avait plus personne. Et un bruit s'est fait entendre quelque part de l'autre côté qu'il y a un jeune homme qui est là-bas. Et il y avait une femme courageuse qui a pris le courage de venir me chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, la suite est tout simplement triste. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler de ça. Cette femme est venue me sortir là où j'étais. Amen. Et m'emmener chez elle. Amen. Mais quelques heures plus tard, l'obus va tomber et cette femme va mourir. Amen.
Bien-aimé, comment ne pas servir Dieu? Comment ne pas servir Dieu? Mettez-vous à ma place. Une personne va mourir à cause de nous, à cause de moi. Amen. Des gens meurent. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de sacrifier des choses, de sacrifier une famille, de sacrifier des gens à cause de toi. Parce que ta destinée... Non, alléluia. Oh, Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Vous êtes certainement nombreux au sein de votre famille. Vous êtes peut-être 10, vous êtes peut-être 5, vous êtes peut-être 2, 3. Mais toi, tu es exceptionnel aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, parce que Dieu t'aime, parce que Adam était porteur, parce que Adam devait nous introduire dans le monde. Et le diable l'a visité. Amen. Et là, nous voyons cet homme. Amen. Descendant de la tribu de Gad. Alors, la tribu de Gad était donc cette tribu qui était censée de propager le nom de Jésus-Christ, car c'est au travers ce nom que des gens auront la délivrance. Mais le diable qui savait, amen, s'est interposé. Oh, je déclare dans ta vie, amen, que rien va s'interposer. Rien, bien aimé, t'empêchera d'atteindre ton objectif. Amen. Jésus-Christ est là pour nous ouvrir les yeux. La Bible dit, bien aimé, que cet homme était lié, enchaîné. Amen. Oh, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que toutes les chaînes, alléluia, dans ta vie soient brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui était lié dans ta vie soit maintenant délié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que c'était ses pieds qui étaient liés, ses mains qui étaient liées. Or, les mains est l'image de ce que nous savons faire. Donc, cet homme ne pouvait rien faire. Amen. Cet homme ne pouvait rien faire. Dieu, le diable, l'a bloqué afin qu'il soit malheureux. Parce que de par ses mains, les fruits devaient sortir. Et non pas seulement les mains, mais aussi les pieds. Or, la Bible dit que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, Dieu nous donne en possession. Donc, cet homme ne pouvait pas fouler les pieds. Alors, ses pieds ont été liés par des chaînes. Oh, je déclare que tout ce qui est lié dans ta vie, tout ce qui est lié dans ta vie, soit délié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes de ta famille soient déliées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car il a dit dans sa parole que ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Mais maintenant, ce matin, je t'annonce que les chaînes au sein de ta famille, au sein de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, sont déliées maintenant, ici-bas sur terre, comme dans les cieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre. Oui. Aujourd'hui, Jésus-Christ ne va pas quitter, ne va pas monter et aller au bord. Aujourd'hui, c'est sa parole qui va venir au bord. C'est-à-dire, sa parole va venir à toi pour t'annoncer cela. Alléluia. La Bible nous dit que quand il a vu Jésus-Christ, amen, il est venu et il a crié fort. Qu'a-t-il entre toi et moi? Qu'a-t-il? Bien-aimé, discernement oblige. Amen. Discernement oblige. Il y a des gens à l'église. Ils sont zélés. Ils crient fort. Ils font toutes choses avec zèle, avec motivation. Mais posons-nous la question, si réellement, derrière ce zèle, derrière cette force, il n'y a pas un esprit impur qui se cache. La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a parlé fort. Bien aimé, écoutez. Il y a des gens qui font des choses. Mais laissez-moi vous dire que les choses qu'ils font, ce n'est pas forcément Dieu, mais c'est parfois les esprits, le diable, qui les pousse à le faire. Et vous pouvez penser que c'est la gloire de Dieu. Non, 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 non. Amen. Or, Dieu dit quoi? Que ce n'est ni par quoi, ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'esprit de Dieu. Il y a des catégories de chrétiens qui se cachent là. Et je bénis le Seigneur que l'esprit de discernement qu'il nous donne nous permet de détecter les gens des personnes. Alléluia. Nous permet de détecter les gens des personnes. Mon frère, ma soeur, ne sois pas impressionné des gens qui font des choses dans la force. Amen. Ne sois pas impressionné de cela. Il y a des esprits qui se cachent. Qu'a-t-il entre toi et moi? La Bible dit qu'il est venu avec force. Amen. Bien-aimé, regardez, la présence glorieuse des dieux l'attire. Amen. Et comme Jésus-Christ ne pouvait pas toucher, car il n'y a pas un rapport entre la lumière et les ténèbres, entre les démons et l'esprit des dieux. Amen.
avant même d'arriver à Jésus, lui-même il se met à genoux. Car il est écrit que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il sait laisser. Amen. Oh bien-aimé, écoute, ce matin, Dieu veut te visiter d'une manière particulière. Dieu veut te parler. Amen. Ne sois pas, bien-aimé, ne pense pas aux événements passés. Alléluia. Regarde l'état de ta famille. Regarde ton état. Regarde toi-même ta situation. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu devais réellement vivre? Non. Le diable est méchant. Il cherche à te détruire. Voilà pourquoi il emmène des esprits de division au sein de l'église. Voilà pourquoi il emmène des esprits d'incompréhension au sein de l'église. Parce qu'il ne veut pas nous voir unis. Parce qu'il ne veut pas nous voir aller plus loin. Amen. Parce que Dieu a dit de nous qu'avec lui, nous ferons des exploits. Mais le diable veut nous retenir afin que nous puissions amasser, n'est-ce pas, des échecs. Mais je déclare cela nul et sans effet dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Regardez le nombre des esprits qui étaient en lui. Oh, bien-aimé. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Un seul homme, mais il était porteur de beaucoup des esprits impurs en lui. Amen. Un seul homme, bien-aimé, je vous dis la vérité. Il est grand temps que nous puissions chercher la délivrance. Ça te fait tant d'années que tu es à l'église, mais jamais tu as pensé un seul instant de te faire délivrer. Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant de choses négatives arrivent dans ta vie? Bien-aimé, c'est bien beau d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi bien de te faire délivrer. Parfois, on est poursuivi par des esprits. Je disais à ma fille l'autre fois qu'il y a un esprit qui te poursuit. Bien-aimé, chaque homme est poursuivi par un esprit. Chaque tribu est poursuivie par un esprit. Chaque nation est poursuivie par un esprit. Nous sommes en France. La France est symbolisée par quoi? Par le coq. Or, le coq symbolise quoi? C'est l'orgueil. Amen. Chaque nation est poursuivie par des esprits. Chaque tribu. Amen. Tu vois dans ta famille des gens, par exemple, qui ne se marient pas. C'est un esprit qui vous poursuit. Tu vois dans ta famille des gens qui n'ont pas de promotion professionnelle. C'est un esprit qui vous poursuit. Alléluia. Tout dernièrement, j'ai causé avec l'un des enfants qui me disait ouvertement que jamais dans ma famille, des gens se marient. C'est un esprit. Chacun est poursuivi, bien-aimé. Et cet homme a été poursuivi. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te délivrer de là. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous délivrer. Alléluia. Et la Bible dit, bien-aimé, que quand Jésus-Christ l'a visité, quand Jésus-Christ a visité cet homme, oh, comme je vous ai dit, je ne pouvais pas développer tout, mais il y a quand même des parties où nous pouvons prendre. Amen. La Bible nous dit qu'ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait lu les légendes. Amen. Assis, vêtu dans son bon sens. Ça, c'est le verset, n'est-ce pas, le verset 15. Bien-aimé, j'aime ça. Alléluia. Oh! Oh, que cela, c'est ma prière pour toi ce matin. Amen. Jésus a visité cet homme. Jésus s'est déplacé. Jésus a traversé le fleuve, a traversé le lac. Il est venu exceptionnellement visiter cet homme. Parce que cet homme, sa place n'était pas au cimetière. Sa place n'était pas au cimetière, au sépulcre. Non. Bien-aimé, ta place n'est pas à la pauvreté. Bien-aimé, ta place n'est pas à l'échec. Bien-aimé, ta place n'est pas au manque d'amour. Bien-aimé, ta place n'est pas là. Amen. C'est pas ta place. Le diable veut te prouver le contraire. C'est pas ta place. Tu n'es pas destiné à demeurer là. Amen. Le cimetière, c'est là où on enterre les morts. Mais bien aimé,
Lui, il était vivant, mais il vit dans un milieu des morts. Des gens qui sont morts. Or, la Bible dit qu'il n'y a plus l'espoir pour les morts, mais il y a l'espoir pour les vivants. Oh, je t'annonce, bien-aimé, que quelles que soient les situations que tu traverses, j'ai envie de te dire ce matin qu'il y a encore l'espoir pour toi. Tu n'es pas fini. Amen. Tu n'es pas fini. Au contraire, j'ai envie de dire que Dieu est en train d'écrire une nouvelle page dans ta vie. Dieu est en train. Oh, j'annonce dans la vie d'une personne. Alléluia. Que hier, on avait introduit. Amen. Hier, on avait introduit. Tu as certainement vécu des choses. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je te l'annonce en qualité d'un serviteur de Dieu. Amen. Je t'annonce que tu vas maintenant vivre la conclusion de Dieu cette année dans le nom puissant de Jésus. Oui, Dieu va te repositionner dans tous les domaines de ta vie. Si tu me crois, dis Amen avec moi. La Bible dit que Dieu l'a vu. Jésus l'a vu. Amen. Et quand Jésus l'a touché, quand Jésus l'a vu plutôt, quand Jésus l'a délivré, alléluia, quand Jésus a chassé les démons, amen. Oh, il a chassé les démons. Les démons, c'est les esprits sont allés rentrer dans les porcs sont allés se jeter dans la mer. Amen. La Bible nous dit que quand il a été délivré, les porcs sont allés se tuer dans la mer. Amen. Cet homme a retrouvé ses esprits. Jésus-Christ a sacrifié l'économie de cette région. A sacrifié, alléluia, l'économie de cette région à cause de cet homme. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire à cause de toi, bien-aimé? Oh. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que quand on est venu voir cet homme, les mêmes qui l'avaient chassé de la ville, qui le surveillaient, qui les avaient enchaînés, qui l'avaient plutôt enchaîné, les mêmes ont commencé à voir la délivrance spectaculaire de cet homme. Yesu. Alléluia. Oh bien-aimé, écoute, là où tu as été humilié, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. C'est là où tu verras la visitation divine de Dieu. Les mêmes qui t'ont vu humilié, c'est les mêmes qui te verront dans deux matins heureux. Amen. Et j'ai envie de te dire que la Bible dit quoi? Ils étaient étonnés. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, j'annonce que ta bénédiction, bien-aimé, ta délivrance va étonner beaucoup des gens qui t'entourent. Amen. Les gens diront, il n'y a que le Dieu que tu pries qui peut faire de telles choses. Amen. Mais personne ne pouvait donner un avenir à cet homme. Tout Gadaret disait, ah, il est déjà fini, il lui reste que la mort. Amen. Mais bien aimé, malgré les problèmes que tu traverses, pourquoi tu ne meurs pas? Mais c'est parce que Dieu t'a gardé le meilleur pour la fin. Les mêmes qui t'ont chassé, c'est les mêmes qui te verront encore. Alléluia. Ils t'ont chassé physiquement, mais toi tu vas débarquer pour aller chasser maintenant les esprits. Alléluia. Oh, spirituellement dans leur vie. Alléluia. La Bible dit qu'ayant vu cet homme, amen, ayant vu cet homme était quoi? Première des choses, quand Jésus te délivre, quand Jésus te restaure, alléluia, la première des choses, ils ont vu cet homme, était quoi? Assis, oh, alléluia, alléluia. Oh, laissez-moi acclamer le Seigneur Jésus, parce que lui seul peut donner un sens réel à la vie de l'homme. La Bible dit quoi? Il était quoi? Assis. Oh, bien-aimé, écoutez, depuis que cet homme a été chassé, il a été tourmenté par les démons. Amen. Il déchirait son corps. Il déchirait son corps, des blessures, des chaînes. Alléluia, il ne pouvait rien. Mais pour une fois dans sa vie, il était maintenant assis. Quand on parle d'être assis ici, on parle maintenant de la stabilité. Amen. J'annonce la stabilité dans
tous les domaines de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était maintenant assis, car Paul nous annonce que nous sommes assis, alléluia, dans les lieux célestes en Christ avec Jésus. Donc il faut d'abord qu'il soit quoi? Assis, amen, tranquille, amen, l'image d'apprendre, l'image de la stabilité, amen. Il était assis, amen, pour une fois. Le repos, amen. Pour une fois, le repos. Oh bien-aimé, j'ai envie de te dire que tu as tellement pleuré. Tu as tellement pleuré. Maintenant, cette année, Dieu t'annonce que tu vas aussi t'asseoir. Tu vas aussi te reposer. Alléluia. Non seulement il était assis, la Bible nous dit encore une deuxième chose, qu'il était vêtu. Amen. Il était vêtu. La bonne question que nous devons nous poser, cet homme étant fou, étant malade, nous savons tous des malades mentaux, comment ils s'habillent, comment ils sont, dégoûtants, des vêtements déchirés et tout. Mais la Bible dit qu'il était quoi? Vêtu. Amen. Oh, posons-nous la question. Qui l'a donné ces vêtements pour porter? Alléluia! Vous allez convenir avec moi, ce n'est pas les gens qui les surveillaient, mais vous allez convenir avec moi que c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen! Qui certainement a dit, Pierre, Jacques, passe-moi le manteau là, qui était dans la barque là, passe-moi le vêtement. Et je suis en train de te dire, amen! Non seulement il va te faire asseoir, mais il va te revêtir. Amen. Bien aimé, souvenez-vous qu'un jour, Adam avait péché avec Ève. Ils étaient nus. Qu'a fait Dieu? La Bible dit que Dieu avait tué un agneau. Et il a pris la peau. Il a revêtu quoi? Le couple adamique. Or, la peau est l'image de Jésus-Christ. L'agneau est l'image de Jésus-Christ. Non seulement il est assis, mais Jésus-Christ l'a revêtu. Donc, il s'est revêtu. Paul nous parle du vêtement de Jésus-Christ, qui est l'image de l'onction, qui est l'image de la puissance. C'est pourquoi, bien-aimés, après cela, nous devons aller à la perfection de Christ. Alléluia. Le revêtement, bien-aimés. Amen. Il a vêtu. Amen. Oh, Joseph était nu. Joseph, bien-aimé, était nu. Alors qu'on l'avait retiré, amen, son manteau que le Père l'avait fait, amen. Il se retrouve nu. Quand il est parti en prison, il est encore nu. Amen. Mais le jour de gloire, quand cela avait sonné, la Bible nous dit que Pharaon l'avait encore fait, n'est-ce pas, donner un vêtement, l'avait cousu un vêtement royal. Amen. Pour le couvrir. Oh, 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 je parle à une personne. Je parle à une personne. J'ai envie de te dire que le Dieu que tu pries, non seulement il va te faire asseoir, mais c'est lui aussi qui pourvoira à tes besoins pour le ministère, à tes besoins, alléluia, pour l'appel que tu as reçu de lui. Assis, vêtu. Ça s'arrête pas par là. Et en troisième, la Bible nous dit quoi? Vêtu et de bon sens. Des bons sens. Alléluia. Alléluia. Non seulement que mon Dieu m'a stabilisé, non seulement il m'a revêtu. Amen. Il m'a revêtu de sa personne. Il m'a revêtu de sa personne. Amen. Mais encore, il dit qu'il était de bon sens. Bien-aimé, écoutez, seul Dieu peut faire de telles choses. Il enlève l'instabilité pour mettre la stabilité. Il enlève tout ce qui nuit à ta santé spirituelle pour mettre la stabilité. Parce que certaines choses, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas t'engager si tu n'as pas un bon sens. Quand on parle de sens, ça me fait penser à Paul qui a dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le bon sens n'est pas seulement mental, mais c'est aussi physique. Les mêmes qui l'ont vu malade, les mêmes qui l'ont vu traumatisé,
Mais c'est le même qui envie encore une personne stable, bon sens, élégante. Amen. Qui marche, qui retrouve toutes ses sensibilités. Oh Jésus, bien aimé, qui peut le faire? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez, je vous ai dit que Jésus-Christ était venu uniquement pour cet homme. Amen. Et c'est ce que nous voyons. Le verset 17 dit, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors Jésus, qui était venu uniquement pour cet homme, va quitter, va partir. Il va repartir. Amen. Mais bien aimé, écoutez, en repartant, amen, cet homme va supplier Jésus-Christ. Laisse-moi te suivre. Oh, j'aime ça. Laisse-moi venir avec toi. Mais écoutez ce que Jésus-Christ va lui dire. Non. Jésus-Christ va lui dire ceci. Il ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Mais au verset 18, regardez d'abord, verset 18 nous dit quoi? Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Qui avait été démoniaque? Et Jésus! Bien-aimé, notre Dieu est bon! Alléluia! Vous parlez mieux français que moi. Vous avez certainement plus de niveaux que moi. La Bible dit bien, celui qui avait été. La Bible ne dit pas que celui qui était, mais qui avait été. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en une fraction de temps, Jésus a regroupé son passé, son présent et même son avenir. Il a tout changé. Avait été hier fou. Le même qui était fou hier, aujourd'hui même, il était fou. Aujourd'hui, parce que ça se passe en une fraction de temps, en une heure, peut-être deux heures. Donc, il y a deux heures ou trois heures de cela, il était fou. Mais après deux heures, trois heures, la Bible dit, assis, vêtu de bon sens. Et demain, pas demain, le même jour, le voilà, Jésus-Christ l'envoie dans sa maison pour aller prêcher l'évangile dans toute la Décapole. Donc, en une fraction de temps, hey, Jésus, que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu change tes situations en une fraction de temps. Qu'il y ait dans ta vie ce qu'on appelle « avait été ». Amen. Oh, je déclare dans ta vie que ce qui ne marche pas devient, soit et devient encore, alléluia, une bonne nouvelle pour toi. Ce qui était, ce qui t'a fait, bien-aimé, pleurer hier ou il y a quelques heures, que maintenant, bien-aimé, tu vois les choses en face et tu dis qu'avec Jésus-Christ, l'exploit est possible. Celui qui avait été, amen, avait été. Donc, il y a quelques heures seulement, il était fou là. Il y a une heure de cela, il y a 30 minutes de cela, il était fou. Mais dans 30 minutes, il est devenu bon. Dans 30 minutes là, il est déjà parti pour aller annoncer l'évangile. Qui peut le faire si c'est l'autre que Jésus? Amen. La société n'a pas pu faire quelque chose pour cet homme. Les services sociaux n'ont pas pu faire quelque chose pour cet homme. Amen. L'État n'a pas pu faire. Mais il n'y a que Jésus-Christ. Et Jésus, Yesu Mashiach. Amen. Et il veut suivre Jésus parce qu'il vient de vivre une belle expérience. Mais Jésus a dit, ce n'est pas fini. Oh, dis avec moi ce matin, non, ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas fini. Vous savez, certaines personnes peuvent prendre ça en mal, alors que le souhait le plus ardent, c'est de suivre Jésus-Christ. Mais Jésus va lui donner encore quelque chose de plus noble. Jésus va lui dire, va dans ta maison.
et va annoncer ce que moi, Jésus-Christ, j'ai fait pour toi, la bonne nouvelle. Alléluia. Cet homme est parti. Oh bien-aimé, regardez comment le diable est méchant. Regardez comment le diable est méchant. Cet homme, quand Jésus-Christ dit, repars dans ta maison, va dans ta maison, vous allez convenir avec moi. Soit cet homme était marié avec des enfants. Amen. Et Jésus-Christ, soit encore, il avait tout simplement une famille, ou un père, ou une mère, et ses frères. Amen. Et Jésus lui dit, ne pas partir n'importe où, mais dans ta maison. Va chez toi, va dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Parce que l'absence de cet homme a provoqué aussi des dégâts dans sa maison. Bien-aimé, toi qui as été appelé de Dieu, quand tu n'es pas à ta place, quand tu n'es pas repositionné, alléluia, c'est le diable qui prend le dessus. Mais quand il a reçu le nom de Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'il était vêtu, c'est-à-dire qu'il est maintenant vêtu de Jésus-Christ, amen, Jésus-Christ est parti. Aujourd'hui, Jésus-Christ est parti. C'est toi et moi qui prêche l'évangile. C'est toi et moi qui parle de Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus est parti, mais Jésus lui donne une mission noble. Il dit, va mettre aussi le feu dans la maison, dans ta maison. Va mettre le feu. Alléluia. Parce que quand tu étais au cimetière, le diable avait occupé le lieu. Quand tu étais au cimetière, tes enfants pleuraient. Quand tu étais au cimetière, ta femme était triste. Quand tu étais au cimetière, la famille est venue dans ta maison. Mais toi, va maintenant prendre possession. Alléluia. À cela, je dis ce matin, il l'a repositionné pour aller récupérer. Bien-aimé, écoute, c'est pas encore fini. Des choses que Dieu va faire dans ta vie. Avec Jésus, nous ferons réellement des exploits. Il nous dit, va dans ta maison. Dans ta maison, pas n'importe quel endroit. Ta maison ici est l'image de l'endroit où tu vis. Mais c'est aussi l'image de ton église. C'est aussi l'image de la maison de ton père. Souvenez-vous, bien-aimés, l'enfant prodigue, quand il était loin de son père, la Bible étant rentrée en lui-même, il s'est levé, il dit, je m'en vais dans la maison de mon père. Parce que c'est là-bas où il y a la joie. Parce que c'est là-bas où il y a la joie. Oh mon frère, ma soeur, toi qui as quitté, toi qui es parti si loin, reviens à la maison. Nous, on a besoin de toi. On a besoin de te voir. Reviens à la maison. Viens, parce que certainement ta présence est une source de joie pour la famille. Bien, mais il est reparti. Il a restauré. Il a restauré. Il est allé récupérer sa maison. Il est allé certainement faire un travail remarquable dans sa maison. Et ça ne s'arrête pas par là. La Bible dit, dès qu'il sort maintenant de sa maison, il est devenu un instrument utile dans toute la décapole pour prêcher le nom de Jésus-Christ. Pour prêcher le nom de Jésus-Christ. Christ avait pris le bateau et reparti. Mais un seul homme a propagé le nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, allez partout dans le monde entier, annoncer l'évangile. Partout. Et faites de tous les disciples. Voilà un homme qui était destiné à devenir prédicateur et que le diable l'a retenu au cimetière pour le rendre fou. Mais aujourd'hui, il a été restauré et est revenu à sa place. Dans le but de prêcher l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi je ne sais pas, tu as été destiné pour quelque chose, destiné à porter la lumière au sein de ta famille, destiné à faire de grandes choses, mais aujourd'hui le diable cherche à te récupérer. Je déclare cela nul et sans effet. Je déclare que Dieu te visite ce matin, que tu sois vêtu de bon sens, que tu sois assis et que tu ailles dans ta maison. Repars dans ta maison. Commence dans ta maison. La maison est l'image de Jérusalem aussi. Oui, car Dieu a dit, commencez d'abord à Jérusalem qui est la maison, avant d'aller ailleurs. Il y a des gens, leur maison est instable, mais ils veulent servir le Seigneur. Il y a des gens, leur maison est instable, ils veulent se marier. Tu ne promets pas même de l'ordre. Non, mais tu veux faire... Restaure ta maison. Va à ta maison. Amen. Mais surtout encore, Dieu a dit, quand tu veux prier, rentre dans ta maison. Rentre dans ta maison, dans ta chambre. Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ va partir. Mais quand tu vas rentrer, la maison, c'est le lieu où tu auras aussi l'intimité avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que quand Nebuchadnezzar avait arrêté Daniel et les autres, Shadrach, Abednego, bien-aimé, quand on les avait arrêtés, la Bible dit ceci, que
Daniel avait appelé ses frères. Ses frères en disant, rentrant à la maison et cherchant la face des dieux. Amen. Parce que le roi cherchait l'interprétation d'un songe, d'un rêve. Et Daniel dit, rentrant dans la maison, cherchant la face des dieux. Bien-aimé, il n'y a rien de plus beau qu'est d'aller, qu'est de rester à la maison, qu'est d'être à la maison. La maison, c'est le lieu, bien-aimé, où tu vas développer ton intimité avec Dieu. La maison, c'est le lieu où tu seras beaucoup plus en sécurité. Je tiens ici un langage spirituel. La maison, c'est aussi de l'église. Alléluia. Oh, bien-aimé, demeurons dans la maison. Amen. Oh, j'ai certainement trop pris du temps, mais c'est l'esprit qui m'a conduit de la sorte. Amen. C'est l'esprit qui m'a conduit de la sorte. J'ai envie de te dire que ce n'est pas encore fini. Il y a des Dieu te restaure pour que tu ailles mettre le feu, alléluia, dans ta maison. Pour que tu ailles mettre le feu dans ta famille. Pour que tu ailles mettre le feu dans tes affaires. Tout ce qui se trouve à la maison, bien-aimé, est à toi. Amen. Et certainement, le diable a voulu prendre possession, mais il a oublié que tu es maintenant délié. Tes mains sont déliées, tes pieds sont déliés. Va maintenant travailler, va maintenant prendre possession. Au nom de qui? Au nom de celui qui t'a délivré. C'est pourquoi vous allez voir plus tard, les disciples vont dire, « Maître, nous avons vu une personne chasser les démons en ton nom. » Amen. C'est un message de la prochaine fois. Les disciples qui sont dans l'ombre, qui travaillent dans l'ombre. Amen. Bien, mais je suis dans la joie d'être avec toi ce matin. Je suis dans la joie de te prêcher ce message ce matin. Si ce message t'a plu, alors partage aux autres. Amen. Ce message, bien-aimé, peut être une source de délivrance pour beaucoup de gens qui restent encore captifs, amen, qui sont encore retenus par des esprits, bien-aimé. Mais ce matin, Dieu nous dit, amen, qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Amen. Alors, sois libre. Sois libre. Sois libre et sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était lié dans ta vie soit délié. Amen. Retiens une chose, que ce que Dieu veut faire avec toi, ce n'est pas encore fini, mais il fera de grandes choses avec toi. Repars, car aujourd'hui, amen, tu es assis, tu es stable, tu es revêtu de la personne de Jésus-Christ. Or, avec Jésus-Christ, nous ferons justement des exploits. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à tous.